Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Changement de décor un petit peu, ça change. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a bien fait aujourd'hui? Coloriage, oui. Bon, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. En ce moment, c'est coloriage ou DP. Bon, cette semaine, promis. Mais cette semaine, il reste 2 jours. Donc on va dire semaine prochaine. Voilà, je fais la vidéo réponse aux fac, aux questions que vous m'avez posées. Promis, j'allais dire promis craché, mais bon, oui, promis craché. Je fais la vidéo pour répondre à vos questions. Mais là, bon, j'étais pas mal prise avec de faire mon inventaire de vente de mon atelier. Voilà. Il y a un bordel. Ah bon, c'est un bordel rangé. Ça va. C'est hier ou avant-hier. Là, c'était Hiroshima. Je m'y retrouvais plus. Alors, faire un inventaire comme ça, quand c'est le boxon. Que voulez-vous? Mais bon, ça va. Bon, j'ai déjà vendu pas mal, mais je ne vois pas l'atelier se vider hein, encore. Non, je ne le vois pas se vider. Bon, il ne va pas se vider entièrement, hein, je vous rassure, hein, je garde des choses. Hein. Mais j'ai quand même déjà pas mal vendu de choses. Et ça fait du bien. Sauf qu'il y a des choses que je ne me servais plus depuis des années. Et des choses que j'avais depuis des années et que je ne m'étais pas servie. C'est ça le pire. C'est surtout ça le pire. C'est d'avoir des choses depuis longtemps et qui n'ont jamais servi. Là, je vais vous montrer. Vous voyez, là, c'est tout ce que j'ai, tout ce qui est encore en vente. Enfin, là, c'est des petits paquets, donc ça va. Vous voyez, encore des tampons, il y a du coloriage, il y a de la fimo. Alors, la fimo, je ne sais pas, ça n'intéresse personne. Plus personne ne fait de la fimo, je ne sais pas. Les moules de fimo. Là, c'est tout des apprêts, de bijoux, des perles. Ça, c'est préparé pour être... étiqueté, photographié pour mettre sur le groupe. Voilà. Mais j'ai encore... Alors, celui-là est vide. Voilà. Il n'y a plus rien dedans, à part un ou deux, mais c'est des choses que je vais jeter. Il est entièrement vide. Ici, derrière, ces deux-là sont entièrement vides. Il n'y a plus rien dedans. Tout ça, c'était tout des choses pour faire les bijoux. Hein. Donc, j'ai encore tout cela à trier. Tout. Non, il y en a là. Hop, tout ça, c'est à trier. Bon, là, c'est pour le scrap. Bon, là, il y a des choses qui me... Oui, bon. Hein? Là-bas, bon, c'est des encres. Là, j'ai des encres à jeter qui ne vont plus, qui sont neuves. Voilà, elles sont neuves. Mais ou alors, je sais pas où les, parce qu'elles sont neuves, mais le vapeau ne va plus. Donc l'encre est bonne. L'encre est bonne. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, parce que ça m'embête de les jeter, du coup. Et j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 flacons. Et ça m'embête de les jeter quand même là, du coup. Il faut que je fasse un tri dans mes dyes. Donc mes dyes, bon, j'ai ceux qui sont là, c'est peut-être ceux que je vais garder. Mais là, j'en ai encore. J'ai encore des dyes ici, des dyes là. J'en ai là. J'en ai là quelque part dans le panier qui est là. Voilà, j'ai des dyes qui sont là. Donc tout ça, c'est à trier.
J'ai encore plein de choses. Là, les deux étagères qui sont là, t'as trié. Le petit boxon qui est là, bah, c'est à trier. Le dessous du lit est à trier. Le dessous de la table est à trier. Au secours! Oui, au secours! Je sais pas quand est-ce que je vais m'en finir, mais bon. Parce qu'en même temps, je suis en train de faire les commodes. En même temps, je fais mon coloriage. En même temps, je fais. En même temps, je fais plein de choses. J'ai des bouquins aussi à trier. Parce que ben, j'ai des bouquins de fimo, j'ai des bouquins de. J'ai aussi de la broderie à trier. Parce que j'ai des. Il me reste des grilles de broderie, il me reste des bouquins de broderie, il me reste. Je suis pas sortie de l'auberge. Je ne suis pas sortie de l'auberge. Et là, ouais, j'ai encore pas mal de choses. Là-bas, au fond, c'est pareil. Il faut que je regarde ce que j'ai. J'ai des tissus. J'ai des tissus que je ne me servirai jamais. Donc, il faut que je les trie, que je les mesure, parce que là, il faut que je mesure en plus. Pour dire ben, ce que combien ça mesure et que je trouve je fasse un prix. J'ai quelques créations que j'avais faites que j'avais mis en vente il y a longtemps, enfin il y a longtemps quand j'avais fait le salon, vous vous rappelez, il y a deux ans, 3 ans, je sais plus. Donc ces créations, je les ai toujours. Je sais pas si vous les voyez là, là, là. Vous voyez là, il y en a deux là déjà. Il y a des anges. Elle fait avec des livres, j'ai une armoire à clé, oui, la fameuse armoire à clé, je l'ai toujours. J'ai encore une mini commode là, bon, je verrai bien si je la vends, si je la vends pas la commode. Si elle intéresse quelqu'un, je verrai. Oui, j'ai encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à trier. Mais puis, j'allais dire un grand mot, désolée. Mais purée, qu'est-ce qu'on accumule comme cochonnerie? Enfin, c'est pas les cochonneries puisque ça intéresse d'autres personnes. Mais qu'est-ce qu'on accumule comme truc et bazar? Je sais que je suis pas la seule, hein? On est beaucoup dans ce cas-là. Mais non. Oh là là. Ah ouais, non, il faut que ça se vide. Là, il faut que je vide, je vide, je vide. De toute façon, puisqu'il y a des choses que je ne fais plus, je n'ai plus à les garder. Voilà. Et de toute façon, je ne les referai pas après. Mais non, je ne referai pas après. Une fois que c'est vendu, je ne rachèterai pas pour en refaire. Non, 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 non. Bon, allez, c'est pas tout ça, hein? Mais vous voulez peut-être voir le coloriage maintenant? Là, à l'heure où je vous parle, donc là, je suis en train de faire mon intro, mais je n'ai pas encore fait le montage de la suite de la vidéo, donc je ne sais pas combien de temps elle dure. Donc j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Si elle est trop longue, c'est comme d'habitude, vous coupez au moment où vous en avez marre, vous relevez le nombre de minutes, et puis vous venez me voir après. Ou alors, vous mettez ça le soir, la vidéo complète le soir parce qu'il n'y a rien de beau à la télé et puis vous regardez ma vidéo le soir sur la télé parce que sur la télé vous pouvez avoir YouTube donc vous la mettez sur la télé et ou alors bah, sur votre ordi ou sur votre téléphone mais le téléphone c'est tout petit alors mettez-le sur la télé c'est beaucoup mieux vous allez dans vos applications sur la télé vous avez YouTube normalement. Et sinon, quand vous allez sur YouTube, vous avez, c'est marqué aussi sur la vidéo, comment c'est marqué, lecture sur la télé ou un truc comme ça. Et vous lancez la vidéo sur votre télévision. Comme ça, vous me voyez en grand. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous.
Je vous remets le lien du groupe. Donc, je vous rappelle, c'est un groupe éphémère. C'est un groupe que je fermerai une fois que j'aurai réussi à tout vendre. Donc, mon vide atelier éphémère. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez y venir si ça vous intéresse. Hein, si vous voulez voir s'il y a des petites choses qui peuvent vous intéresser. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.
Thank you.